Alors, le pharmacien, c'est un professionnel de la santé. En tant que tel, c'est l'agent sanitaire. Et moi, je suis à l'officine, c'est-à-dire le poste le plus avancé de la santé. Et le rôle du pharmacien, c'est de concevoir les produits de santé, notamment les médicaments, les accessoires qui vont avec, et aussi les autres accessoires médicaux, les fabriquer, distribuer en gros, et aussi les dispenser. Donc c'est la commercialisation au détail. Suivre aussi l'utilisation des médicaments, c'est au niveau de l'hôpital, et aussi dans l'environnement, suivre la chaîne d'élimination des médicaments et donner des conseils en santé. Alors, pharmacien, c'est un cursus académique. Celui qui a un diplôme de pharmacien a minimum bac plus 6, c'est-à-dire 6 ans après avoir obtenu le diplôme d'État. Chez nous ici, nous suivons le programme LMD, donc dans ce système où on passe en la faculté des sciences pharmaceutiques pour obtenir une licence en sciences pharmaceutiques qui est le titre du pharmacien. Et on a un autre titre qui vient, c'est le master pour la spécialisation. Et vous avez aussi les diplômes des docteurs en pharmacie, donc docteur en sciences pharmaceutiques, qui est un doctorat d'État différent du titre que nous portons de docteur en pharmacie, c'est-à-dire docteur d'exercice, en tant que professionnel de la santé.